Bonjour. Et le son est un peu bas. C'est pas grave. Vu que j'ai rien changé, ça doit être dans ma tête. Ou ma poussière dans les oreilles. J'ai fait du rangement. Bonjour donc et bienvenue dans Isaa, apparemment, d'après l'écran. Ou vous le savez pas parce que je les mets pas tous en ligne, mais ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait un dédié au moment de la sortie. Et on, comment on fait ça avec Lilith. Je rappelle, Lilith, mon personnage favori. C'est pas vrai. C'est pas mon personnage favori. Mais en même temps, un petit Little Loki, ça fait pas de mal. Avec Lilith. Bien. On va jusqu'à Hit Lives. Ok. Non, non. Merci d'être resté loin. On va pas ouvrir le magasin. On va aller dans la Cursed Room parce que on a plein de vie. Enfin, plein. Oui, plein. Maintenant. C'est un terme très relatif. Et puis de toute façon, la Cursed Room, ça peut être intéressant. Et c'est une occasion de faire proc Cambion Conception. Qui est, je vous le rappelle, un item très intéressant. Pourquoi est-ce que j'ai craqué Box of Friends une salle avant le boss? On en parle ou c'est pas la peine? Non, on va dire que c'est pas la peine. Oh là là. Deux monstres, des synchros et des trucs partout. Qu'est-ce que tu veux que j'évite là dans le... Saute-moi dessus, je te dirai rien. Bon, c'est pas grave. Ah, j'avoue que j'ai vraiment du mal quand il y a deux ennemis. C'est très con, hein. Mais quand il y a deux ennemis qui peuvent attaquer toute la salle en même temps, mon cerveau n'assimile pas le truc. Je veux dire, j'en regarde un, pour moi l'autre arrête d'exister tant que je vois le premier. Et ça a des conséquences imprévues. Préparez-vous à des conséquences imprévues. Je pourrais faire un petit stream Half-Life. Je ne stream pas. J'ai pas l'internet qu'il faut pour ça. Je pourrais faire une petite série de vidéos Half-Life 2. C'est toujours bien. C'est pas un jeu compliqué, le protagoniste étant muet, on peut parler par-dessus. C'est très... Oh, restons zen. C'est très pratique. Jamais tu meurs? Oh là là. Ok. Va te faire voir. Yeah. Wow. Pourquoi il est parti en diagonale comme ça? On en parle ou... Ouais, j'ai déjà utilisé le on en parle aujourd'hui, je sais. Mais là, il y a pas de... Il y a des trucs. Bref, pour l'instant, c'est un run Lilith tout à fait... Comme il voit. Tout à fait normal. Ni bon, ni mauvais. Et j'espère qu'il va devenir bon assez rapidement. Oh, elle était pas morte. Purée, patate, pantoufle. Alors lui, par contre, voilà. Oh. Friandise. Alors Proptosis avec Incubus, c'est un peu compliqué, mais ça reste Proptosis, hein. On va pas cracher dessus. Ça nous fait des dégâts de psychopathe à courte portée, donc là c'est probablement le boss, pas loin. Ok. Quand ils sont collés au bord, les ennemis, Incubus ne les chope plus, ce qui va vite poser problème. Avec les ennemis qui se collent au bord. Il y a certains ennemis, quand ils se collent au bord, ils sont plus au bord que les ennemis qui marchent sur le mur. C'est quand même assez impressionnant. Ok, toi t'es mort. C'est clair. Il n'y avait même pas de discussion sur le sujet. Ok. Bon, mais un Proptosis, hein. Short-lived. Ah, par contre, ouais. Short-lived, mais là pour le coup il faudra quand même qu'on chope les ennemis à courte portée avec, parce que de loin ça fait plus mal du tout. De près ça fait très 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 mal, mais de loin non. Alors 13, est-ce qu'on peut monter à 15? Oui, on va prendre celui de gauche.
Essaye encore. Ok, on va pas aller faire la salle qui est tout au fond. Je suis presque sûr que là, ça ne sera pas utile. Mais bon, là, c'est pas mal. Brimstone, Proptosis. C'est un peu le truc où l'un des deux est bien, l'autre est différent. Super. J'adore quand ça fait ça. J'ai jamais vu cette salle. Je trouve ça cool. Faire un peu de temps dessus, mais c'est gratuit. Ah oui. Proptosis. J'avais... Pardon. J'avais oublié. Non, pense pas là. Putain de... Insupportable. Insupportable. Ou oh, alors le bonnet à bout portant, lui, par contre. Donc du coup... Ah, j'ai gâché une charge. Ok, reste en zen. Ding dong. En plus, ça répétait l'autre coffre avant. J'ai eu les bombes gratuites, quoi. C'est pas grave. Salle secrète? Non. Elle est vraisemblablement... Lockdown. Fantastique. Elle est vraisemblablement... Elle peut être là. Ça, c'était pas prévu comme ça, mais c'est pas grave. Oh, c'est une troll. Yen ne l'avait pas vu. Ouh là là. Il y a eu de l'échaud. Et il y a eu plein d'argent. Au passage, la Curse Room était gratuite. Aurait pu être gratuite. Malheureusement, une décision précipitée a entraîné une grave blessure. Sérieusement, ça a fait mal. Yolé. Non. Oh, remarque. Zodiac, c'est... Non, des fois, ça donne Taurus. Et Taurus, on va être franc, c'est pas bon. N'en veut pas. Bon, 23 centimes, 17 clés, on peut aller au magasin. On a déjà pété à Shopkeeper, mais c'est pas grave. Ping pong. Non, on prend rien. La logique étant qu'aucun de ces items ne sera vraiment utile a priori. Pas de Tinted Rock. Oh. Ah bordel! Foutu Proptosis qui m'a tout bousillé ma brimstone quoi. Bon, là quand même. Avec 15 000 ennemis au même endroit qui explosent, il y en a bien un qui va lâcher. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Ça s'arrête pas les clés. Ah oui, bah oui, on a un machin, ça va. Évidemment que ça arrête pas, t'as fait exprès. On va chercher ces trucs. C'est pas là? Mmh. Ah non, 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 je veux ma salle secrète. S'en fout, c'est gratuit. Hein. Ah bah quand même. Voilà, j'ai eu raison. Parce que depuis tout à l'heure, au cas où vous avez pas remarqué, je n'ai qu'un cœur. Il n'y avait pas un cœur au magasin? Non, parce que... Non, pas du tout. Cela dit... Super. Et ça, c'est pas mal. On va pas le garder, on va pas s'en servir pour tout de suite. Mais c'est pas mal. Alors, c'est très con, mais là, j'aimerais bien qu'on ait Campus dans le deal. Et qu'on ait le deal, bien sûr, mais... Pour avoir Lump of Coal, qui contrerait les effets de Proptosis, en fait. On va voir ce que ça donne. Pas Campus. C'est Dark Bun, ce qui est bien mieux que Sacrificial Dagger, parce que pour le coup, on est où là, quelle zone? On va rapidement parcourir l'étage pour récupérer les cœurs rouges déjà présents. On va pas en faire apparaître d'autres parce que chose à faire. Pardon. Fait frais chaud quand même en ce moment. Allez, vite.
Hop là. Et avec Dark Bomb, on a une chance d'avoir assez de vie au niveau de Womb 2 pour se tenter un petit sacrifice vers la Dark Womb. Éventuellement, si on chope l'appel ou Ewaz, on ira d'abord dans Sheol. Vous l'avez bien compris. Yeah. Ok, donc la salle secrète sera pas de ce côté. Oh, bout portant, t'avais aucune chance, mec. Ok, toi, t'as une chance. Parce que t'as un petit fantôme qui va être intouchable. Oh, reste en Z, mec. Pourquoi je drop des cœurs rouges? Moi j'ai droppé un cœur rouge là quand je me suis fait toucher. Qu'est-ce qui m'a. Dark Bum! Oh la forêt! Oh, c'est Fanny Pack qui doit faire dropper les cœurs. Oh, il m'a mis une araignée dans le. Sur moi! Oh, c'était dégueulasse! Oh l'enfoiré! Je surveillais pas! Et il s'est permis un truc là! Oh là là! Bon! On va pas. Oh, attention! On va pas rester sur ça, mais quand même quoi. Ok, reviens par ici. Viens par ici. Ok, je vais te chercher. Mais tu te fous de moi! Mais tu te fous de moi encore plus! Voilà. On va prendre ça pour que ça repop pas plus tard. J'ai déjà eu le cas. Avec des items autrement moins intéressants. Donc, charge. Ah. Ça fait quoi ici ça? Oh, deux cœurs et un item. Et un item bien, c'est de la vie. Ouf, tu trop le bombe. Oh, matchstick là. Box of match, vise. C'était pas cool ça. Mais c'est pas grave. On n'est pas venu pour rien. Bénéfice net. Attendez. Quand on a des bombes gratuites, ça, c'est des points gratuits et même de la vie. Oh ouais. Non, tu donnes rien. Et oui, parce que poser une bombe, ça coûte des points. Mais en même temps, je sais ce que ça. Ok, c'est pas grave. Et je suis pas allé au bon endroit. Donc je disais, poser une bombe, ça coûte des points. Alors si ça rapporte un trinket, c'est pas deux objets ou trois objets, c'est pas grave. Mais des fois, ça en rapporte pas autant. Oh, sérieusement, l'araignée. Ok, mettez-vous tous d'un côté, comme ça, je vous anime. Mini fille et voilà. Allez, Eternal Life. C'est pas une mauvaise idée dans un Daily Run d'avoir ce genre d'item. Olé. Bon, ça nous ferait revenir en tant que Blue Baby, ce qui serait sympa aussi, faut bien l'avouer. Mais bon. Ok, on est dans Caves 2. Le chrono tourne. On va prendre la vie. Et la clé gratuite. On va pas prendre la pilule parce que ça va une fois les conneries. Oh putain. Oh là là. Ok, deux ennemis en même temps encore une fois. Faut que j'arrive à me concentrer. Bien. 12 minutes, non on y va. On va pas chercher la salle secrète. On va pas insister. Chub va mourir mais comme un sac. On va se faire mal, c'est pas grave. Deal, one up. Yes. Bomb spell, non on s'en fout. Toujours pas. Oh c'est gentil. Oh vraiment fallait pas. Non j'insiste. Bomb spell ou flat key? Allez, on est plein de clés. Je crois que ça augmente les chances d'avoir des cœurs gris. Je suis pas sûr. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'on est plein de clés et que, comme on va pas aller dans le chest ou dans un truc similaire, on s'en fout un peu. Et on vole. Et on a. Ah, on a. Ah, à force de prendre des coups, on a spawné Little Brimstone. Ce qui est rigolo parce que lui, il a pas l'effet de Proptosis. Ce qui veut dire qu'on a une double Brimstone extrêmement efficace. Pourquoi j'évite soigneusement Fate depuis tout à l'heure? Par contre, c'est vrai que je pourrais commencer à me servir de. Comment ça s'appelle? De Box of Friends. Parce que là,
je m'en passe quoi. J'en ai pas vraiment besoin en fait, c'est ça le truc. Ah quand même. Merci. Bon par contre 13 minutes. Depth Swan. Il va falloir envisager un petit coup de fouet. Ou un gros coup de fouet selon ce que tu aimes. Pour régler la question de boss rush. Et je note que Darkbum et Little Brimstone et l'Incubus, et moi donc, n'avons pas le même temps de charge. Ce qui n'est habituellement pas un problème. Allez, c'est probablement par là le boss. Parce que là on est un peu à la bourre. C'est carrément pas par là. Et on vole, faut que je me souvienne de ça. C'est un élément assez important pour le run quand même. Je pense que la salle secrète est là en dessous. Est-ce que ça se confirme? Non, pas du tout. Bah. Là au-dessus alors. Je devrais pas gâcher mes bombes comme ça. Mais elle était là. Oh, il y avait deux coffres, j'avais pas vu l'autre. C'est tentant de prendre ça, mais. Non, mais c'est carrément tentant, on a Brimstone. Avec Proptosis, mais bon. Il y a un moment, moi je suis pas regardant. Hein. Si en plus là on se chope un deal with the devil avec. Super. Avec l'Hump of Call, c'est magique. Non, Box of Friends, là c'est vachement surfait en fait. Ça servirait que pour. Oh là. Que pour boss rush éventuellement. Et même pour boss rush, à vrai dire. Pour boss rush, vu qu'on a déjà Brimstone. Oh. Des points. Regardez le score. Bon, c'est pas tant que ça, mais c'est pas mal. Donc je disais, même pour boss rush, c'est pas si magique que ça au final. Par contre, je sais pas si ça part de moi. Oui, ça part de moi. Si ça partait de moi ou de l'Incubus. Oui, d'ailleurs, je m'inquiète, mais on va écraser toutes les salles maintenant, hein, c'est clair. C'est dommage qu'on s'arrête à X-Lives et qu'il n'y ait pas Hush. Non, parce que Hush, de toute façon, ça ne nous aurait pas avantagé plus que ça, donc... Brony ! Je peux pas te saquer. Encore un deal, encore des HP. Krampus ! L'Hump of Gold. Alors là, c'est génial, parce que regardez mon tir. Il devient pas tout petit en allant trop loin. Il devient juste assez petit. Non, ça compense... Je sais pas si ça le compense à 100%, mais ça compense pas mal Proptosis. Ça fait qu'en gros, je fais mal tout le temps, quoi. On va pas prendre Mom's... Cursed Eye. On va pas garder Guppy Head. On va manger ça, et on va manger ça. C'était pas très intelligent. Je te fais attendre, yeah. Oh bien, on va le prendre celui-là par contre. On est full life. Ça fait toujours plaisir. Curse room gratuite. Ah merde, ouh putain. Je dis ça parce que j'ai posé ouais le cup parce que ça c'est mieux. Parce que j'ai posé une bombe là du coup. Vu que c'était ultra grid, ça a ouvert la salle d'office. Mais j'avais pas prévu ça. On va attendre que les deux soient chargés. On n'est pas super efficace quand même. Mais je pense quand même que Tamized était un meilleur choix avec Brimstone que l'autre truc. Quand même. Ils étaient pas chargés là, sérieusement? C'est un peu... Je trouve ça abusé, mais... Non. Ça, ça ne droppe rien. Ok, merci. Pas par là. Yeah. Super. La pilule que vous allez tous adorer. Mais pas celle-là, franchement. Paralysis. Quelle idée. Non, on va garder la chance. C'est bien la chance. Darkbum, if you please. Magasin, if you please. On va prendre Sackboy. On va pas prendre Blank Card parce que Blank Card Paralysis, c'est
pas forcément fantastique. C'est même un peu de la merde, à vrai dire. Bon, du coup, ça c'est devenu un sac. Ou ça l'était déjà, je sais pas. C'est mieux, The Stars. Totalement inutile parce qu'à partir d'après ici, il n'y a plus de plus d'item room. Mais bon, il faut trouver le boss par contre là. Jordan, le voilà. Bonjour. Au revoir. Bien soigneusement ne pas prendre ça. On va prendre le Polaroid. On pourrait prendre le machin pour avoir moins de vie et proquer plus souvent avec le Polaroid, mais on va prendre le Holstatsup. Voilà, ça c'est fait. Et merde. Ok. Donc là il y a les deux petits fantomas de merdoum et ensuite le voilà. Ouais, Tamiz, ça montre ses limites quand les ennemis sont intouchables au début de la manche. Après ça va, mais on vole, on a drive baby. ok, j'ai pas un seul ennemi. Vous êtes sûr de ça les gars? Ah, monstro et monstro 2, c'est thématique. C'est bien. Comme ça, ils meurent ensemble, en famille. Voilà. Voilà. Oh. Je suis impressionné. Putain, je fais de la merde, là. Là, il y a Dark Bomb, il fait un festin, quoi. Ok, toi, tu meurs, parce que tu commences à mourir. Sérieusement, le temps de charge, c'est quoi sur cette attaque? 3000 ans. Allez, il reste plus que la tête. On a 3 coeurs qui traînent en backup. Peut-être 4 bientôt. 4. Il me les rassemble, c'est gentil. Oh, il y a de la vie par contre. Voilà, à plus de vie. Oh, 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 ce massacre. Cette thématique avec la violence. Ah, bah c'est fini. Il n'y a pas de Tinted Rock? Non. Dark Web, même s'il prend ce cœur, honnêtement, je doute que ça me serve à grand chose. Ouais, on a le Polaroid qui va pas proc souvent. Mais c'est peut-être pas plus mal en même temps. Genre si on en a pas besoin. Yeah. Ah bah tiens, il y a des batteries ici. C'est vraiment la salle parfaite. 3 vagues, 2 batteries, une charge au départ. Que demande le peuple? The Moon. Ah c'est mieux. Salle secrète. Au moins il y en a une. Ça sert à rien de le péter, lui on est déjà à 100%. On peut tenter un petit Magic Mushroom. Après tout, il y a de fortes chances qu'on trouve 4 bombes dans le run. Fantastique. 5 bombes. Pour refaire celle qu'on a perdue sur le 99. Ah, c'est vrai que ça c'est... Oh, bien, félicitations. Mon temps de charge est vraiment immonde. C'était quoi l'autre carte, The Stars? Voilà, une bombe. Parce qu'en fait, au-delà des 99 bombes, ça rapporte plus beaucoup de points de les ramasser. Donc, c'est bien si on les dépense en fait. Sérieusement? Le machin qui étend son coup sur moi. C'est légal ça? Non, parce que c'est pas grave, j'ai l'habitude d'avoir une pénalité de dégâts phénoménale, mais... Dans le mauvais sens du terme. Mais bon, quand même. Ça veut pas dire que j'aime avoir mal. Tinted Rock, non. Pas de Tinted Rock, évidemment, il y en a pas de cailloux dans la salle. Ça, ce temps de charge... Des deux, hein, Little Brimstone et Incubus, et Succubus. Quelque chose de monstrueux.
Donc je rappelle qu'on cherche une salle du sacrifice et ou une pelle qu'on ne garderait pas parce que si on la, on la garderait mais plus aisément une ruine oise qui ferait pas un crawl space. Ok, manifestement j'ai raté une salle là-bas parce que voilà, s'il y a une salle du sacrifice à cet étage, il y a de fortes chances que je la fasse. Encore que ça se discute parce qu'on a Godhead et donc on verra tous les deals et peut-être qu'on peut avoir une meilleure chance de nanani nanania The Stars Judgment. On va garder Judgment. On va le faire exploser là où je pense qu'il y aura l'autre salle secrète. Pour le principe quoi. Pour le geste. Bordel, il y en a partout de ces cartes. Tiens. Bim. C'était pas là. Allez, c'est cool. J'étais trop petit de toute façon. Oh, du coup. Two of diamonds. Et ben voilà, on est full pognon. Comme ça, c'est fait. Full pognon, bientôt full bombe. Il y a les deux, hein. Il y a one makes you larger et one makes you small. C'est... c'est bien. Donc full pognon, presque full bombe. Faudrait que je trouve Skeleton Key à un moment pour le... la trifecta. Ou que je continue de ramasser des sacs comme ça. Bon, pas de salle du sacrifice, on est d'accord. Bonjour. C'est le facteur. On est guppy au passage. On est guppy. On va prendre ça aussi parce que c'est super cool comme item. Même si c'est que pour un étage, malheureusement. Oh, et puis vous savez quoi? Voilà. Full life, c'est bien aussi. Zou! Ça veut dire Polaroid à tous les étages. Et Dark Bum à 100% de son rendement. Donc, aïe! Quand je dis à 100%, ça veut dire que tous les cœurs lui sont destinés. Hein. Le rouge. Ah ouais, fantastique. Oh, tous ces cœurs gris d'avant. Si on trouve une salle du sacrifice, ça va être magique, quoi. Ce serait vraiment bien. Je suis déjà full pognon au passage. Mais luck up, j'étais pas full. J'en ai eu deux d'affilée, là. Ça fait plaisir. Ah oui, Tamizette Grimstone fait des mouches, hein, bien sûr. Parce que ce serait pas drôle, sinon. Putain, mais laissez-moi tirer sur les ennemis, au moins. Aïe. You, aïe, il est mort. Bon bah. Allons-y, hein. Poison touch. C'était peut-être pas utile de le prendre cet item. Ça fait beaucoup de points en moins pour pas grand chose, on va dire. Parce que je compte pas foncer dans les ennemis non plus. The stars. Là. Je garde Lemon Party au cas où un ennemi me donnerait du fil à retordre au sol. C'est pas demain la veille. Head of the Keeper? Non. Judgment. Ouais, je crame les bombes. Hein. Oh. Quel dommage que j'aime pas avoir karma parce que je sais pas ce que ça fait. Il est où, méchant le méchant? Il est là. Vaporisé. non. On a une salle du sacrifice. On va finir l'étage tout gentiment. Et après, on va se sacrifier la gueule. 12 clubs. Hein. Vous voulez vraiment que j'utilise les bombes? Putain, le jeu est... ce run par rapport à ceux qu'il y a eu les jours d'avant, là, il est étonnamment sympathique. Ne pas toucher à ça. Ne pas prendre Black Powder. J'adore Black Powder, mais là, ça sera pas contributif, on va dire. Je vois pas de Tinted Rock. Ça m'inquiète.
Je vais garder tout off clubs. Pourquoi? Parce que je vais peut-être utiliser des bombes pour trouver des salles secrètes ou des trucs comme ça. Et que du coup... Oh oh, t'es pas mort toi. Félicitations. Et que du coup, je pourrais remonter à 99 sans aucune difficulté grâce à ça. Toujours pas Tinted Rock, hein? Non. Paf, paf, paf. Curse Tie, ça fait deux fois qu'il me le donne dans ce run. On pourrait le prendre, vous me direz, hein, mais... Non. J'ai des principes. Ah, ma vie. Enfin, c'est pas comme si elle était remontée instantanément, mais... Bien, Sacrifice Time. Ça va piquer. Aïe. Deux. Trois. 4, tâche. Les phases d'invincibilité sont trop longues. 5. Ah, bon. C'est pas une araignée rouge, hein, c'est bon. 6. Oh, quel item de merde. 7. De la vie. 8. 23 le bon, je m'en fous, je suis invincible. 9. Un ange. Enfin, ça reste à démontrer. Et c'est à partir de là qu'on récupère toute la vie qui traîne dans le niveau. Parce qu'on a de quoi faire. Donc sur le boss, il y a un cœur. Hop. Près de la salle du départ, il y en a un aussi. Je devrais regarder si je vois des, Tinted Rock que j'aurais manqué, mais... Je passe trop vite dans les salles, donc il y en a, voit pas. Oh, il y en a même deux ici. Vous allez voir qu'on va finir full life avec ces conneries. D'ailleurs, dans la cursed room, il y a un cœur rouge que j'aurais peut-être dû laisser à monsieur à Darkbum. Ah bon, non, pas de Tinted Rock raté. Parce que c'est le moment de les chercher, on peut poser de la bombe à la... comme on a envie. Non, vous savez quoi, non, on va rester sur ça. On va les chercher, tiens. Aïe. Non mais, dites-le que je dois, que vous voulez que je vive, quoi. Ah, j'ai plus de mouches, c'est vrai. Vous savez quoi, on va l'affronter juste pour rire. Juste pour rire, un des ennemis les plus durs du jeu. Ah, ça me fait marrer, on va lui bourrer la gueule. À qui? Bah, pff, Satan. On se lambe là, carrément. Ah bah tiens. Un autre item du chat avec plein de vie derrière. On va pas dire non, hein. On aurait peut-être dû au niveau score, mais... Écoutez, je vous rappelle qu'on a ça. Alors je pense qu'on aura pas de soucis à se faire au niveau de notre efficacité générale. Et on va évidemment faire tout pétage. Même pas mal. Oh, t'as survécu pour me tirer une fois dessus et me manquer. Félicitations! Pourquoi est-ce qu'on a deux. Avec combien de conception on a proc. Qui a proc. On a généré un succubus. Et comme on en a ramassé un naturellement, ça fait qu'on en a deux! Et j'aimerais pas être à la place des ennemis. Non, on va vraiment pas prendre ça. C'est dommage, j'aime bien les mouches, elles sont rigolotes. Mais nous, ça aussi, on va pas. On va se retenir. Oh, j'ai cru qu'il avait survécu. The Stars. Salle secrète? Oui. Bon, ben, ça c'est fait. On peut pas le prendre, on est plein. On va tuer The Lamb. Histoire de dire. Voilà, ça c'est fait.
et on va finir les tâches. J'aime bien le histoire de dire quoi, le boss ultime du jeu dans le chemin difficile. Oui, bah, on va faire ça et puis on ira voir autre chose. Pas de soucis. Oh, alors vous les gars, je vous supporte pas. Par contre, si l'effet de darkness vous pouvez se casser, s'il vous plaît, merci. Et à la lumière, Régis. Oh, t'entends. Mais non, pas vraiment. Ça, c'est la malédiction de Sackboy en fait. Certains coffres se transforment en sacs. C'est très embêtant. Mais bon. À ce stade du jeu, c'est plus un problème. Je rappelle qu'on a 15 millions de mouches. Ah, ah ma vie, elle s'en va. Je meurs. Vous savez quoi? Allez, soyons fous. Parce que j'ai pas envie que ça repop dans le prochain coffre qui va s'ouvrir. Ça me l'a déjà fait. C'était pas drôle. Donc, ah oui, j'en étais où? Ah oui. Ma vie, elle s'en va, vite. Trouver un médecin ou quelque chose du même style. Sérieux, il pourrait pas me dropper un cœur gris juste pour le faire. Je suis épaté par le fait que la charge de Little Brimstone et de l'incubus se casse la gueule quand je tire le tamisette. Donc bref, de la vie. Bon, je sais qu'il y en a dans le niveau, c'est juste que j'aurais trouvé ça marrant que ça redroppe un cœur ensuite, quoi. Mais non, apparemment le jeu n'est pas marrant. Le jeu n'aime pas rire. Hein. Allez, trouve-moi la satopette. Qui est probablement ici. Et c'est... C'est facile à dire quand elle est... quand on l'a déjà trouvée. Et voilà, on va finir ce run sur une victoire. J'ai pas tout off club. Bon, ça m'a... j'ai perdu 100 points, quoi. 200 points. C'est un score pitoyable. Pourquoi? Non, au classement, c'est misérable. Bon, à part la pénalité, l'item penalty, elle est en flèche. Non, il y a la pénalité de dégâts qui est haute. Après, on tire ça au clair. Alors, des gens que je connais leur nom. 45 000, moi j'ai fait 39 000. Ouais, c'est la différence que je vois là. Ça pourrait être la pénalité de dégâts. Il y a probablement un peu d'exploration aussi. Après, les scores sont pas très au-dessus, je veux dire, hein, on tombe très vite dans le 42. Ouais, je suis à 5-6 000 du lead, on va dire. Mais bon, c'est beaucoup quand même. Bon, c'était un run sympa. Allez, à plus!